quoi ? Henry, il faut que tu viennes tout de suite. Mais qu'est-ce que tu me chantes ? Et pourquoi je chante ? Lève-toi les dents et viens jusqu'ici. Tu peux sentir mon haleine. Non, écoute ! Toute la ville est sous l'emprise d'un sort musical. Vraiment ? Mais oui ! Penses-tu que nous soyons les seules victimes ? Descends et viens voir par toi-même. Nous interrompons ce programme pour quoi ? Habitant de Swellview, oui c'est moi, Franchini le Grand. Vous avez dû remarquer un sort musical sur votre ville. C'est mal ou pas? Car c'est ainsi que je vois les choses. Je contrôle tous vos amplificateurs. J'utilise une onde de basse fréquence. Et maintenant, Swellview est parfaite. Musicalement extra parfaite. Tout comme moi. Alors à très vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Franchini, encore un grand merci pour cette journée de chansonnette. Non. Je te remercie, Kid Danger, je faisais de l'ironie. Mon collègue et moi, on promet qu'on se fâchera pas si tu arrêtes cette sornette. Ouais. Bien. J'ai bien tout compris, donc j'ai changé d'avis. Et ce soir, le sort sera levé. Ah, j'ai bien. Non. Là, c'en est trop. Oh, 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 oh. Les héros et les méchants sont en désaccord. Alors ils se jettent de près dans la bagarre. Il referme son poing. Le lance avec entrain. 1, 2, 3. J'ai dit. Je m'en charge. Un bon coup direct. Désolé, mais c'est couru d'avance. Les seuls combats qu'on fait ici, c'est dans la danse. Ils ne peuvent pas être Franchini. Merci, on a compris. Pardon. Donc, c'est quoi le plan? Ben maintenant qu'on sait où est Franchini, je peux pirater le système et planter la machine qu'il utilise pour nous envoyer cette malédiction musicale. Ça ne va me prendre même pas 10 secondes. 1-1-1 1-1-1 1-1-1. Ça va peut-être me prendre plus que ça, en fait. Salut, vous quatre. Vous avez dû remarquer que je n'étais pas du tout sous la douche. Vous remarquerez aussi que je ne suis pas en train de chanter et qu'on n'entend pas de musique. Et qu'on n'entend pas de musique de fond. Si je ne chante pas, c'est parce que... j'ai quitté Swellview. Je sais bien ce que vous vous dites. Ouh, Ray s'est enfui parce qu'il a honte de ce qui s'est passé hier au marché du parc. C'est exactement ce qu'on se dit. C'est pas pour ça que je suis parti. C'est pas parce que j'ai honte. J'ai quitté Swellview parce que... je ne peux pas me sortir de ce problème à coup de poing. Vous avez bien vu ce qui s'est passé là-bas. Je me suis couvert de honte. Ouais, c'est honte. Donc, désolé, mais... je ne reviendrai jamais à Swellview. Croyez-moi, c'est... encore plus dur pour moi que pour... Oh, mon petit déjeuner. Allez, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On regarde quoi, en fait? Je sais quoi. Désolé, Mary et Trent. C'est la dernière fois que j'interromps votre journal. Enfin, je peux rien promettre. 5, 6, 7 et 8. Mon petit doigt m'a dit que Captain Man a quitté la ville. Mais quel mauvais timing. Je trouve ça vraiment dommage. Car je l'avais confié à un battle de champ pour lever le sort. Mais là, il est parti sans aucun remords. Disparaître ainsi, tu vois ça, je ne l'accepte pas. Alors, Captain Man, si tu ne reviens pas, je change le sort en trash metal. Oh, bon sang. C'était chouette. On a mal à la gorge. Ne m'oblige pas à faire ça, Captain Man. Rendez-vous à 20h.